Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se poser la question suivante. Pourquoi est-ce que c'est si important de reprendre la responsabilité de son vécu? J'aurais envie de vous répondre que, tout simplement pour accéder à cette liberté qu'on recherche tous. Vous allez me dire, voyons donc. Qu'est-ce que la responsabilité a à voir avec la liberté? Ça a tout à voir, justement. Parce que je vais devenir libre le jour où je vais pouvoir choisir en pleine conscience, en pleine connaissance de cause, ce qui est bien pour moi, le meilleur pour moi. Parce que lorsque je suis en réaction, c'est que je n'ai pas conscience. J'ai pas conscience que je viens de réveiller une blessure au contact de l'autre, mais une blessure qui est déjà présente en moi. C'est quelque chose qui s'est réveillé, c'est quelque chose qui m'appartient, c'est ma responsabilité, mon vécu, mes émotions, mon monde intérieur. C'est pas quelqu'un qui va implanter ça en moi. C'est quelque chose que je porte. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai du pouvoir. Si j'accuse toujours l'autre, sans jamais prendre conscience de ce qui se passe comme tel à l'intérieur, de prendre conscience de mon fonctionnement, je ne trouverai jamais ce pouvoir-là de pouvoir changer les choses. Je vais rester dépendant des autres. Ça veut dire que je vais chercher à contrôler le plus possible l'extérieur pour que je souffre moins. Mais c'est toujours quelque chose de souffrant, puis on s'épuise à faire ça parce qu'on n'a pas de pouvoir sur l'extérieur. C'est illusoire. Le seul pouvoir qu'on a, puis on a complètement pouvoir, c'est sur soi. Puis je pense même que c'est le but de la vie, finalement. C'est de retrouver ce pouvoir-là, c'est de se reconnecter à soi. Fait que reprendre sa responsabilité, la responsabilité de son vécu, de ses souffrances, de ses blessures, de son fonctionnement, c'est se donner le pouvoir de changer les choses afin de les rendre beaucoup plus satisfaisantes pour moi. Ça fait en sorte aussi que je deviens totalement libre parce que je ne dépends plus des autres pour être bien ou pour être heureuse. Je deviens l'artisan de mon propre bonheur. Puis la sensation qu'on peut ressentir quand on touche à ce pouvoir-là sur nous, à notre responsabilité, sentir qu'on a du pouvoir sur quelque chose, sur ce mal-être, sur ce sentiment d'impuissance-là, ça donne une sensation, un sentiment de liberté, de bien-être qui est difficile à décrire. Moi, j'ai été pendant tellement d'années à vivre avec ce sentiment d'impuissance parce que je cherchais justement à l'extérieur. Quand j'ai compris qu'en retournant le miroir vers moi et en essayant de comprendre pourquoi, puis c'est quoi mon fonctionnement, puis c'est quoi le pouvoir que j'ai là-dessus, c'est fantastique. Là, ça m'appartient. C'est une décision, c'est un choix. Si vous voulez apprendre comment retrouver votre responsabilité, toucher à votre liberté, venez vivre l'expérience du 7e ciel où je vous accompagne, je vous guide, mais avec plusieurs autres professionnels en même temps. Les portes rouvrent le 20 janvier, fait que c'est très très bientôt. Demain, je vais répondre à la question « Pourquoi est-ce que j'utilise le corps et les sens pour se reconnecter à soi? Pourquoi j'ai pris cet angle-là? Pourquoi je prends cette approche-là? » En attendant, je vous invite à visionner les liens que je vais mettre sous la vidéo par la suite, qui se trouvent être la vidéo de présentation de Vivre le 7e ciel et le webinaire pour ceux qui veulent plus de détails. Sur ce,
Merci d'être là. Merci de me faire des pouces. Merci de commenter. Merci de me dire que vous êtes présent, que vous appréciez. C'est pas souvent que je fais des petites vidéos comme ça. Très souvent, c'est des longues vidéos. J'essaie de me coacher pour les faire plus courts. Sur ce, je vous reviens avec la prochaine vidéo pour monter le septième ciel. Ciao. Bye bye.